revenir sur lui. Fermé en partant. Tu t'es bien battu. C'est pas mal. C'est quoi ce déguisement? On va au bal ou quoi? Toi, ce qu'il te manque, c'est l'instinct du tueur. Tu veux que je te donne une leçon? Oh, bien sûr. On pourrait peut-être s'offrir un petit combat un de ces jours. Non, rien ne vaut le présent. Ou alors, t'es qu'un dégonflé. Soit tu peux faire tes prières. Regarde, la lune, elle est de la même couleur que le sang. De gagner, c'est de tirer profit des faiblesses de son adversaire. Il faut toujours attaquer. Leçon numéro 2. Arrête, non, ça suffit. C'est pas fini. Je crois que la leçon est terminée. Chucky, ça roule, ma poule? Salut, Chucky, ça va? Salut, Chucky. Salut, Joe.
Bon, à part ça, c'est tout ce que vous avez comme renseignement? Champion de boxe chez les Milours, Eddie Cunningham, 33 ans. Il venait de remporter son titre hier soir. Ils l'ont trouvé ici ce matin. Ça m'a tout l'air d'un règlement de compte. Oui, je crois que nous avons un nouveau champion et une troisième victime sur les bras. Regardez-moi ça, il l'a massacré. Aucun témoin, aucune empreinte, rien que des tripes et un peu de sang, c'est tout ce qu'on a. A-t-il laissé une lettre disant qu'il m'était fait un séjour? Bon, nous en concluons qu'il s'agit d'un homicide, messieurs, dames. Ils vont tuer combien comme ça? Croyez-vous qu'il s'agisse du même homme? Êtes-vous déjà sur une piste? Que comptez-vous faire pour l'arrêter? Certains vous êtes contacté? Un peu de calme, je vous prie, l'enquête suit son cours. Pour l'instant, nous n'écartons aucune piste et tout a été mis en œuvre pour l'arrêter rapidement. Je suis tout à fait d'accord pour une certaine coopération entre les forces de police et les médias. Mais je vous demanderai de bien vouloir nous laisser faire notre travail. On se regarde une cassette de Kung Fu le week-end prochain? Rends-moi un petit service. Demande au labo de m'envoyer leur rapport. Je suis resté 15 minutes avec le macabre qui me souriait et je préfère avoir sa photo. Chuck, le chef sur la 2. C'est bon, je le prends. Que puis-je pour vous, patron? Arrêtez vos sarcasmes, où en est l'enquête? On n'a aucune piste sérieuse pour l'instant. C'est à se demander pour qui vous travaillez. Je veux du concret. C'est pas en restant assis derrière... Non, patron, je sens que vous allez encore vous fâcher. Oh, bon, attendez. À chercher des indices. Oui, patron. Je veux des résultats, vous m'entendez? Entendu. Je veux un rapport détaillé ce soir sur mon bureau. Alors mettez-vous au travail, bon sang. Qu'est-ce que vous attendez pour coincer ce fumier? Qui recommence? Vous ne vous rendez pas compte dans quelle situation vous me mettez? Oui, tout de suite, patron. Hey Chuck, hein? C'est arrivé hier soir avant qu'on trouve le boxeur. Accroche-le qu'on le regarde. Et vous l'avez reçu hier soir? Comment se fait-il que je ne l'ai que maintenant? C'était dans le courrier du patron sur son ordinateur. Oula, il n'a pas dû apprécier. T'as déjà vu la tête qu'il fait quand il est en colère? Il ouvre grand les yeux et puis ses veines se gonflent, ses lèvres tremblent. Je ferais peut-être mieux de me taire. Vous avez un rapport à me rendre pour ce soir, mais vous êtes là à vous payer ma tête. Vous vous rendez compte des pressions que je subis? Aujourd'hui, la presse m'a matraqué de questions. Ils vont me crucifier et ça vous fait rire. Non, chef. Écoutez-moi, ce n'est pas de vous que je rigole. En fait, si. Quoi? Non, vous êtes trop stressé, je vous assure. Vous devriez passer nous voir un peu plus souvent. Arrêtez vos pitreries. J'en ai par-dessus la tête de vous. Mettez-vous au travail. Je ne saurais trop vous conseiller d'arrêter vos petits sketchs. Sinon, vous savez où vous finirez? Dans un cabaret de banlieue à faire le magicien pour ne pas crever de faim. Parce que je ne me gênerai pas pour vous faire renvoyer. Est-ce ça, c'est clair? Oui. Il dit ça parce qu'il est jaloux. Ce ne sera pas dans un cabaret de banlieue que je me produirai, mais à Las Vegas. Oh, c'est rien, t'occupe pas de ça. Arrête, je t'ai dit, il y a quelqu'un. Non, mais sois pas stupide, il y a personne. Arrête! C'est le flipper qui a bougé, c'est rien. Ils sont tous pareils. J'ai jamais eu de chance avec les mecs. Roxy, ta chance est en train de tourner. Oh. Alors, t'as trouvé ce que c'était? Ce n'était que moi, gros plein de soupe. Non, je m'appelle Dutch. Ah, plus pour très longtemps. Oui, cette soirée, on va la passer tous les deux. Je vais t'apprendre à danser.
Bon, d'accord. On commence tout de suite. C'est bon, je m'en rends. On pourrait peut-être en discuter. C'est trop tard, je vais te massacrer. Ah ouais? C'est toi qui as voulu continuer. Alors, qu'est-ce que tu attends? Je vais te tuer! Tu vois, tu aurais dû m'écouter. Cet homme est mort à la suite d'un traumatisme cérébral. On constate aussi que le reste de son corps a subi de graves traumatismes. L'assassin avait de solides notions d'anatomie. Les coups ont été portés de façon systématique et précise. En fait, tous les points névralgiques ont été touchés. Regardez, pas un coup n'a été porté au hasard. C'est une signature que je reconnaîtrai entre mille. Il n'y a aucune trace d'arme ni de mutilation post-mortem ? Non, l'assassin n'a utilisé aucune arme. Mais j'ai rarement vu ce genre de blessure. Quant aux mutilations, elles ont dû avoir lieu lors du combat. Il a tué et s'en est allé. Ce sera tout. Et notre témoin? Elle dit que l'assassin l'a endormi, qu'elle n'a pas eu le temps de voir grand-chose, mais je l'ai placé devant notre album de photos. 4 victimes, ça fait beaucoup, même pour Odini. Alors je vais vous trouver quelqu'un pour vous seconder dans cette enquête. J'aimerais que vous ayez un entretien avec lui. Mais je suis assez grand pour me débrouiller tout seul. Ah oui, seulement oui. On a 4 boxeurs qui se sont fait assassiner. Un meurtrier qui a disparu dans la nature et qui m'envoie des messages par ordinateur à propos des meurtres qu'il s'apprête à commettre. Et nous n'avons pas le moindre indice pour le coincer. Sans compter qu'il accélère la cadence, ce qui n'est d'ailleurs pas très bon signe. Et vous me dites que vous n'avez pas besoin d'aide. Chef, je vous conseille de vous taire, ça vaudra mieux. Mais enfin, je... Ça suffit, fermez-la. Et c'est comme ça toute l'année. Je me démène comme un malade pour leur faciliter le boulot et voilà ce que ça donne. Ken O'Hara sera votre équipier. C'était votre prédécesseur chargé comme vous des tueurs en série. C'est l'un des inspecteurs les plus brillants qu'on ait connus. Il a quitté le service il y a un peu plus de 2 ans. C'est une blague ou quoi? Vous n'oseriez pas me faire oh ça? Oh que si. Tenez, voici son adresse. Ah, sa dernière mission s'est mal terminée. Il s'est retrouvé à l'hôpital. Un peu plus, il y passait. Je refuse de travailler avec ce mec-là. Vous n'avez pas le choix et moi-même, je suis obligé de m'entourer d'originaux dans votre genre. Alors vous voudrez bien accepter qu'on vous colle quelqu'un pour vous aider. C'est un homme qui a déjà fait ses preuves. Mettez une tenue correcte. Ça vous rendra peut-être plus convaincant. Un chapeau était fini. Je te retrouve dans la cabine, d'accord? Non! Ah!
Et alors? Ah, excusez-moi, je ne vous avais pas vu, je suis vraiment désolé. Ah ouais, tu crois que tu vas t'en tirer comme ça? Je peux vous payer le teinturier. Tenez, là, il y a de quoi payer, vous aurez assez. Merci. Alors, champion, on dirait que t'as pissé dans ton froc? Oui, moi, je trouve qu'il mérite une bonne mesure. Non. Le pognon, ça n'a jamais arrangé quoi que ce soit. Alors, je ne peux rien pour vous, je me suis déjà excusé, non? Et moi, j'aime pas beaucoup ta façon de me parler. Ah, laissez-le tranquille. Dégage. Ça va? Reste assise, je n'en ai pas pour longtemps. Aidez-moi. Je n'avais pas le choix, tu sais. Ça va? Oui, et toi? Je déteste la violence. J'ai horreur de ça, moi aussi, sauf dans certains cas. Je n'aime pas qu'on touche à ma famille. J'avais peur qu'il te fasse du mal. Ah, tu plaisantes. J'ai pris des cours avec Superman. Ah, tu parles? Et je peux voler, regarde. Bonjour, je cherche Ken O'Hara, vous le connaissez? Oui, et alors? Ah, vous l'attendez peut-être. Je vais le tuer. Non, sérieux? J'ignorais. Je l'attends pour récupérer ma fille. Non, notre fille. Je le tuerai ensuite. Ah, c'est donc ça, vous êtes divorcée? Non, séparée. Il a passé sa journée avec elle, il avait promis de me la ramener à l'heure. Oui, ce n'est pas très sympa et je comprends que vous ayez quelques difficultés à le supporter. Oui, c'est très difficile. Oh, c'est une petite crise, ça arrive à tout le monde, hein. Je m'appelle Megan. Moi, c'est Chuck. Et hop, un joli bouquet. Oh, comme c'est gentil. Je ne connais pas votre mari et honnêtement, je n'ai pas envie de le rencontrer. Où étiez-vous passé? Ah, on a pris un peu de bon temps. Ça fait du bien de se changer les idées. Raconte-lui. Il y a un type en moto qui a failli m'en passer. Pas maintenant, chérie. On s'était pourtant mis d'accord sur l'heure, non? Oh, tu es pressée, est-ce que je vois? Tu avais promis de la ramener à l'heure, mais tu ne tiens pas tes engagements. Vous êtes témoin, Chuck? Non, absolument, oui. Restez en dehors de tout ça. Non, votre femme a raison, vous devriez l'écouter. Je croyais que tu étais pressée. Bon, j'y vais. Dis au revoir à ton père. Au revoir, ma chérie. Au revoir, et à la semaine prochaine. Oui, au revoir, chérie. Vous êtes encore là? Allez, circulez. Je regrette très cher, mais c'est vous que je suis venu voir. Vous êtes sur une propriété privée, alors fichez le camp en vitesse. Je suis envoyé par votre ancien patron. Hutchins? Ah, vous n'êtes pas sans. Non, non. Est-ce qu'on peut entrer? Oui, venez. Non, ça ne m'intéresse pas. Oui, il savait que vous ne seriez pas d'accord. Mais il compte absolument sur votre aide. Je regrette ces noms. Vous transmettrez le message. Pas de problème. Le chef a dit que vous aviez démissionné à cause d'un accident. Dites-lui bonjour de ma part. Et soyez prudent sur la route. Je vous laisse quand même le dossier, hein. Vous savez, si vous voulez que je m'en aille, vous n'avez qu'à venir. Ne vous gênez pas. Je n'ai pas besoin de votre aide.
Ça suffit! Je sens que ton esprit est très contrarié. Écoute, t'as un film de kung-fu sur ton moniteur? Hein, bouge pas, j'arrive. Regarde, ça vient à peine de commencer. Oh non, encore ce truc-là. Non, regarde, ça ressemble un peu à nos films d'action. C'est drôle, je ne sais pas qui nous l'envoie. Ah, moi j'adore tous ces films japonais, ils sont vraiment doués, ces gars-là. Ce type-là envoie toutes les unités au 562 Houston. Et fais-moi une copie, si c'est possible. Oui, je m'en occupe tout de suite. Appelle à toutes les unités. Qui es-tu? Tu ne te souviens plus de moi? Dommage.
Fort, dis-le, c'est moi! Allô? Ken, c'est Hutch. Ah, écoutez, votre instructeur, Maître Tokaido, a été tué par un inconnu. Qu'est-ce qui vous a pris, Chuck? Vous saviez très bien que vous n'aviez aucune chance de l'attraper, sauf si vous aviez quelqu'un pour vous aider. Je voulais surtout éviter un quatrième meurtre. Ah, Ken, entrez! Ah, je suis content de vous voir. Bonjour, patron. Je suis sincèrement désolé pour ce qui est arrivé. Oui, c'est moche. Oui. Et où en est l'enquête? Chuck est mieux placé que moi pour vous en parler. Il suit cette affaire depuis le début, c'est avec lui que vous travaillerez. Soyez le bienvenu à bord. Et acceptez toutes nos condoléances. Venez, on va dans mon bureau. À tout à l'heure. Ken, merci d'avoir accepté de nous donner un coup de main. C'est la moindre des choses. Vous avez lu mon rapport? Oui, bien sûr. Et alors? Oh, il ne contient pas grand-chose. C'est bien que vous soyez là, on va pouvoir échanger nos idées sur nos méthodes de travail. Bien sûr. Notre tueur est quelqu'un de très organisé. Ses crimes sont planifiés. Il est très lucide, il n'a aucune place pour l'improvisation. Il choisit sa victime longtemps à l'avance. Un crime sans risque, dans un endroit isolé, sans témoin. Il a tout programmé à l'avance. Son comportement est le reflet de sa personnalité et il agit de façon très méthodique. C'est un maniaque de la perfection. Sa façon d'opérer ne ressemble à aucune autre, alors... Enfin, je pensais que... Non, permettez que je vous interrompe. Parce que, franchement, je me fiche de ce que vous pensez. Je sais quel genre de type vous êtes, O'Hara. Vous avez démissionné parce que vous avez eu la peur de votre vie. Et moi, je refuse de travailler avec quelqu'un qui se dégonflera quand on se trouvera face au danger. Alors, développez toutes les théories que vous voulez, remplissez tous les rapports que vous voulez, mais quand on interviendra, vous nous regarderez bien sagement faire notre boulot sans nous gêner. Est-ce que c'est compris ? Oh oui, et c'est d'accord. À la bonne heure. Voyons la suite. Le patron va vous indiquer où se trouve votre bureau. Installez-vous, moi j'ai du travail. Si ça ne vous dérange pas, je voudrais consulter le dossier. J'ai un rapport à écrire. Adressez-vous à la secrétaire, elle sera ravie de vous aider. Le tout, c'est de garder le contrôle. Thank you.
Si bon sang, j'aurais pu vous tuer, vous... Qui êtes-vous et que faites-vous ici? Police, qui êtes-vous, mademoiselle? Oh, j'ai vécu quelque temps ici. La victime vivait seule. Oh. Kelly? Est-ce que c'est toi? Oncle Ken? Oncle Ken? C'est la fille de Maître Tokaido. D'accord. Il avait une fille? Une fille adoptive. Toutes mes condoléances, mademoiselle. J'aimerais vous poser quelques questions. Je vous emmène au commissariat. Oh. Ne t'inquiète pas, je suis là. On la convoquera demain matin. Je vais demander à ce qu'on vous trouve une chambre d'hôtel. Vous savez qui l'a tué? Non, on est toujours à la recherche d'indices. Vous avez de drôles de façons de chercher. Bon, tu peux aussi venir à la maison si ça t'arrange, c'est à deux pas d'ici. Oh non, j'ai mon taxi qui m'attend. J'ai pris une chambre à l'hôtel Altman. Tu connais l'hôtel Altman? Ça me fait plaisir de t'avoir retrouvé. On se voit demain alors? Oui, je passerai te chercher. On aurait dû la questionner ce soir, et vous le savez. Je vous interdis de prendre les décisions à ma place, c'est clair? Oh, mais ça change rien ce soir, Altman. Écoutez-moi bien, mon vieux, c'est moi qui commande, alors ne recommencez pas, d'accord? D'ailleurs, je vais aller l'appeler. Pendant ce temps, continuez à farfouiller si ça vous chante. Non, j'ai terminé. Bon, ni les portes ni les fenêtres n'ont été fracturées, et l'explosion a été de faible puissance. C'était de l'essence et un bâton de dynamite. Il n'y avait aucune minuterie, autrement dit, le meurtrier vous attendait, inspecteur. Et qu'est-ce qui vous fait croire ça? Moi, j'ai des yeux et je m'en sers, d'accord? Il savait que l'inspecteur rappliquerait, il a l'habitude. À mon avis, il est relié à notre GPS, il intercepte toutes les communications entre véhicules. Il vous a attendu pour tout faire sauter. Pour effacer toutes les traces. Non, il nous envoie un message. Les meurtres sont de plus en plus rapprochés. Or, il se perfectionne. Et il apprend rudement vite. C'est ce qui le rend plus confiant. Il vous écrit sur votre ordinateur. Il vous nargue. Ce gars-là en connaît un rayon en informatique. Et je vous avoue que je suis un peu dérouté. Mais je pourrais recontacter un gars à qui j'ai eu affaire il y a quelque temps. Il piratait des systèmes informatiques et il pourrait nous donner quelques tuyaux. Ah oui, oui. Vous voulez ma photo? Non, non, on est parti. Oncle Ken! Oncle Ken! Je vous attendais justement. Qu'est-ce que tu fais là, je t'avais dit? Je veux participer à votre enquête. Oh non, toi tu restes en dehors de tout ça. Que je reste en dehors de tout ça? C'est drôle, toi, c'est mon père qu'on m'a tué. Fais ce que je te demande, Kelly. On se charge de l'enquête. Toi, tu rentres chez toi. Retourne chez toi, ça vaudra mieux. Eh bien, j'en connais une qui ne manque pas de courage. Elle fait un drôle de bruit. Oh, allez. Écoutez, si on joue carte sur table, on trouvera un moyen de s'entendre. Il y a quoi exactement entre cette jeune femme et vous? Kelly? C'est un peu ma fille. Ah, je vois. Mais vous n'êtes pas son type d'homme. Ah, et pourquoi? Peut-être parce que je suis noir? Non, parce que vous êtes trop nul. C'est déjà ça, je vous croyais raciste.
Ça y est, on arrive, c'est là au coin de la rue. Bon, c'est le genre dangereux ou quoi? Non, sauf si vous êtes allergique à la poussière. Bon, alors voilà ce qu'on va faire. Non, vous passez par l'entrée, c'est la première porte à gauche. J'attendrai derrière, au cas où il déciderait de nous fausser compagnie. J'espère que tu es là. Tu sais que je suis toujours là pour toi, non? Alors dis-moi, tu veux peut-être me voir enlever mon soutien-gorge? Oh, mais bien sûr, oui, enlève-le tout de suite. Oh, toi, tu sais parler aux femmes. On continue, ma poupée. Oui, qui est-ce? Police, ouvrez! On a deux ou trois questions à vous poser. Hé, hey, mais quel genre de questions? Ouvrez! Un instant, je vous prie. Attendez, je m'habille. Oh, Vous sortez prendre l'air. Vous vous souvenez de moi, non, inspecteur O'Hara? Oh, oui, bien sûr. Oh. Allez, dépêche-toi. Ouvre cette... C'est lui que tu cherches? Oh, toi, tu es le dernier des enfoirés. Cette fois, on t'embarque. Le fichier de la banque, j'y suis pour rien. Allez, prends un peu de lecture, parce que tu vas passer la nuit en tôle. Oh, on t'a repéré cette fois, tu n'as aucune chance. Oh, de quoi vous parlez? Moi, ça fait longtemps que je suis hors-circuit. On a des preuves contre toi. Vous n'avez pas de chance. L'inspecteur Baker n'a aucune pitié avec les gars dans votre genre. Laissez-le-moi, Baker, je voudrais seulement lui poser quelques questions. Je vous dirai tout, mais dites-lui de me lâcher. C'est toi, t'as compris? Tu t'en sortiras pas comme ça, c'est moi qui te le dis. Hey, Baker, il va coopérer. Vous allez coopérer? Oui, je vais tout vous dire. Alors, allez vous asseoir. Allez vous asseoir. Sur quel bouton t'as appuyé pour avoir ça? Est-ce que vous pouvez retrouver l'expéditeur d'un email? Oui, c'est un jeu d'enfant. On a reçu ces messages chez nous. À tout à l'heure, poupée. Surtout, attends-moi. C'est une véritable porcherie ici. Comment tu fais pour vivre là-dedans? Il n'y a aucune adresse, aucune donnée. Je peux pas le retrouver comme ça. Ah, on est équipé. Oui, j'aime pas avoir à me lever quand je suis en plein boulot. C'est quoi, du café? De l'urine. Oh, bon sang, c'est dégueulasse! Regardez, celui-ci, je peux le localiser parce qu'on est en train de le recevoir. Qu'est-ce que c'est que ça? Apparemment, c'est pour vous. Il y a quelqu'un qui sait que t'es là. Bon, d'accord, faites-le parler. Prenez le clavier pour communiquer, je vais le repérer d'ici. Chien, c'est lui, Baker. Allez, parlez-lui, sinon je vais le perdre. Qui êtes-vous? Vous ne le savez pas? Qu'est-ce que c'est que ça? Un synthétiseur de voix. Ah, j'ai une idée. Est-ce que vous pouvez prouver que vous êtes celui que vous prétendez être? Que dites-vous de ça? Continuez. Ne le lâchez pas, bon sang, je l'ai presque repéré. Pour quelle raison tuez-vous? C'est un jeu. Qui gagnera la partie? Vous deux? Ou moi? Ouais, je sais que Chet Baker est avec vous.
Comment il le sait? Il a l'air drôlement bien renseigné. Ça y est, je le tiens. Où est-il? Beijing? Non, attendez. Tainan? Taïwan? Non, c'est bidon. En Corée, Los Angeles? Ah, il est rusé. Je peux peut-être le prendre de vitesse. Moscou? Berlin? Oh, mais moi, je sais pas faire ça. Alors, vous le localisez, oui ou non? Ça y est, je l'ai. Miami. Harrisburg. Oh, attendez. C'est bon, 843 Adams Street, à New York, appartement 21. C'est dans le quartier. Oui, c'est au bout de la rue. Dépêchons-nous. Eh bien, vous maintenez la communication. Ah, il manquait plus que ça. Laisse tomber, viens. C'est bien, tu as de la ressource pour un flic qu'on a mis au rancard. C'est moi qui suis parti. Ah, pour moi, c'est la même chose. Bien. Où est ton arme? J'en porte jamais. T'es dingue ou quoi? Alors t'es prêt? Non, il faut préparer un plan d'attaque. D'accord, alors je défonce la porte. Toi, tu entres et tu les tiens en respect. Je serai là pour te couvrir. Ah, c'est ça ton plan. Et tu vas me couvrir avec quoi, hein, gros malin? Non, c'est moi qui défonce la porte. Pourquoi? Parce que je ne te fais pas du tout confiance. Vous les blancs, vous nous laissez toujours le sale boulot, mais il faut... C'est bon, calme-toi! On entre côte à côte. Un, deux. Police, que personne ne bouge! Non, restez où vous êtes. Je te conseille de reposer ta bière et de t'asseoir gentiment. Où est l'ordinateur? Où est-il? Fouille la pièce du fond, je les surveille. Tu parles tout seul. Toi, je te conseille de la fermer. O'Hara, dépêche-toi. T'es tout seul, mon vieux. Ken? Te fatigue pas, y'a personne. T'ouvres encore ton clapet, tu vas le regretter. Ah, l'enfoiré, il va me le payer. J'ai l'impression que ton collègue t'a laissé tomber, amigo. Toi, je t'ai dit de la fermer. Y'a deux brigades d'intervention qui vont débarquer d'une minute à l'autre, vous entendez? J'ai du mal à te croire. Allez, baisse ton arme. Bon, je vous ai menti, il n'y a qu'une seule brigade, mais ils sont très costauds. Du temps. J'attendais le bon moment. J'ai failli me faire tuer. Oui, mais je suis intervenu. On a un colis pour vous au 843 Adam Street, appartement 21. Entendu. Ken? Merci. Non, il n'y a pas de quoi. Bon. Maintenant, il ne reste plus qu'à trouver l'ordinateur. Je crois qu'on s'est planté, il n'y a rien ici. T'as fouillé partout?
Non, mais je rêve ou quoi? Tu veux dire que pendant que je risquais ma peau, toi, tu cherchais tranquillement l'ordinateur? Ouais, alors, t'étais armé. Écoute, espèce de... Minable. Qu'est-ce que c'est? Minable. 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 Chuck Baker, piètre magicien, et flic encore plus ridicule. À peine sorti de son placard, l'inspecteur Kenoara sent qu'il perd à nouveau le contrôle de la situation. La peur aura raison de lui. Tu sais que c'est interdit de doubler à droite. Je crois qu'on a de la compagnie. Kelly, je t'ordonne de rentrer chez toi. Oh, arrête, je t'en prie, tu n'as aucun ordre à me donner. C'est à la police de mener l'enquête. Oh, ça va, gardez vos salades. Il n'y a aucune loi qui m'interdit de vous suivre. Retourne chez toi, ça vaudra mieux. Peut-être mieux filer, sinon il va nous attirer des ennuis. Oncle Ken, vous vous en allez déjà? Les filles n'ont pas encore enlevé leur string. Et attends, moi je t'enlève le tien. Hey, il faut l'aider. Laisse tomber, Chuck. Elle va leur donner une bonne leçon. Il n'y a pas à s'inquiéter. Son père lui a appris à se battre. Faisons-en. Il donne toujours l'impression d'avoir une longueur d'avance. Je peux t'assurer que si je le coince, il s'en souviendra. Il finira bien par commettre une erreur. Tout le monde en commet une un jour ou l'autre. Non, lui ne laisse aucun indice derrière lui. On devrait reprendre le message. Il y a sûrement un truc qui nous a échappé. Ouais.
Non, il n'y a rien là-dedans. Tu le questionnes et lui, il te répond, c'est tout. Il a de l'humour, à part ça. C'est avant tout un meurtrier. On se fiche de savoir s'il a de l'humour ou non. Les tueurs en série ont tous le même profil. Blanc, entre 30 et 40 ans, une enfance particulièrement difficile, victime de violences sexuelles et déviantes. Hey, je t'ai pas demandé de me faire un cours, alors épargne-moi tes théories, d'accord? Hey, attends, j'avais pas vu ça. Quoi? La dernière phrase de son message. Dites au revoir à Jim, Jean et au héros. Il y a du sang sur la lune. Qu'est-ce que ça signifie? Je vois pas. Je me demande à quoi il fait référence. Jim Nabors, Gene Hackman, les héros de Hogan? Non, ça ne veut rien dire. Il n'y a pas que cela, il faut en essayer d'autres. Jim Carrey, Carrey Jean, les héros de Carrey. Sa prochaine victime s'appelle peut-être Carrey. Ah, c'est ridicule. Allez, viens, on va déjeuner. Je vais appeler Kelly, j'arrive. Oh, attends une minute, Kelly! Je te la passe si tu veux. Jim Kelly dans Le Mystère du Dragon, Jean Kelly et les héros de Kelly. Il essaye de faire diversion, c'est Kelly qu'il veut tuer. Il n'y a personne chez elle en tout cas. J'ai besoin d'un café. Enfin, qu'est-ce que vous fichez chez moi? Tout va bien. Regardez ce que vous avez fait à la porte. Vous auriez pu frapper, c'était pas la peine de l'enfoncer. Et puis vous n'avez pas le droit de débarquer ici de cette façon. On croyait que tu étais en danger. Eh bien, vous voyez, je ne cours aucun danger. Sauf peut-être avec vous. On a reçu un message de l'assassin. T'es la prochaine sur la liste. Alors, on est tout de suite venu ici. Il s'est encore payé notre tête. On te croyait vraiment en danger. Non, sans blague. Oui. D'accord. J'aimerais vous demander quelque chose. Vas-y. Frappez avant d'entrer la prochaine fois. Allez, fichez le camp. Eh bien, on aurait aimé rester, seulement on a du boulot, pas vrai, Ken? T'as le numéro de mon alpha-page? Oui, oncle Ken. J'ai tous tes numéros. Ciao. Est-ce qu'ils peuvent être machos, ces deux-là? Mince, j'ai oublié de reprendre le message. Oh non! Eh non, non, attention, il faut frapper avant d'entrer. Oh, c'est vrai. Please!
Tu crois que ce genre de spectacle va m'aider à réfléchir ou quoi? Oh, ça rend la vie plus agréable, vous verrez. Il faut que j'y aille. Tiens, vous avez de la visite. Kelly, qu'est-ce que tu fiches ici? Où est le flic chargé de te protéger? Pourquoi je n'aurais pas le droit de vous aider? C'est ma vie qui est en jeu. Et puis je serai sûrement plus en sécurité avec vous. Écoute, tu ne m'empêcheras pas de te suivre, oncle Ken, tu le sais bien. Je crois qu'il vaut mieux se rendre à l'évidence, oncle Ken. Bon, mais promets-moi de te tenir tranquille. C'est promis, oncle Ken. Et promets-moi de ne jamais m'appeler oncle Chuck. Oui, c'est promis. Bon, il n'y a plus qu'à réexaminer la liste des victimes. Merci, Justice. Non, je te la serrerai un autre jour. Allez, bonne chance. Il n'est pas tombé du ciel. Il a bien dû s'entraîner quelque part pour atteindre ce niveau-là. Dans les clubs de karaté, on n'apprend pas à tuer. Ou alors, il essaye plusieurs méthodes. Mais on est persuadé qu'il maîtrise son art, alors qu'en réalité, il ne fait que s'entraîner. Et il a une liste de victimes. Eh bien, espérons qu'on n'en fait pas partie. On va bientôt entendre parler de lui.
Seulement, on ignore qui il va tuer et quand. Pourquoi tu as démissionné? J'étais sur le même genre d'enquête que toi. Je l'ai traqué durant des mois. J'avais juré d'avoir sa peau. Il avait commis une dizaine de meurtres. Mais j'ai fini par l'avoir. Seulement, j'y ai laissé des plumes. J'en ai trop bavé. Je ne voulais plus revivre ce genre d'expérience. Non, je tiens trop à la vie. Il paraît qu'il t'a envoyé à l'hôpital. Il a bien failli me tuer. Ça a aussi brisé mon mariage. J'ai pourtant essayé de le sauver, mais... Tu sais ce que c'est? Ah oui. Moi aussi, j'ai été marié. Il y a longtemps, je venais tout juste d'entrer dans la police. Mais on a fini par se quitter. J'ai rejeté la faute sur le travail, mais c'était moi le fautif. J'ai rien fait pour la retenir. Ouais, c'est dommage. Écoute... Je te connais pas tellement, mais je crois que t'es pas du genre à renoncer aussi facilement. C'est pas vrai? J'ai pas raison? Ouais, si on veut. Alors sauve ton mariage, mon vieux. S'il y a bien quelque chose que je regrette aujourd'hui, c'est de ne rien avoir tenté pour sauver le mien. Un coup de fil et tout était arrangé. Y a rien de plus simple qu'un coup de téléphone. Tu crois que ce qui est valable pour toi est aussi valable pour moi? Ce que je veux dire, c'est que tu devrais essayer d'arranger les choses. Pendant qu'il est temps. Ne laisse pas filer ta chance. Tu as peut-être raison. Si tu es motivé, tu arriveras à le sauver. Tente ta chance. Tu connais rien de ma vie, Chuck. Ah, j'en sais suffisamment, crois-moi. Tu vois cette pièce? Je vais l'acheter en l'air. Si elle retombe sur face, tu l'appelles. D'accord? Ouais. Allons-y. Allez, c'est à toi de jouer. Quoi? Hey, c'est magique. Je t'ai eu. Non. Ça me donne faim. Allô, Megan? C'est moi. Je voudrais qu'on discute. Oui, tous les trois. Je voudrais qu'on recommence tout à zéro. Oh, vous avez dévalisé les boutiques. Tenez, portons un toast. À qui? À Oncle Ken. Allez, au galop, ma chérie, on fait la course. Marie, c'est maman qui va gagner, elle a le meilleur cheval. Ouais, on a gagné à l'eau. Oui, la plus. Merci bien. Bien, c'est pour toi. Bravo. T'as encore gagné. Écoute, Megan, je sais que c'est pas facile pour toi. Oui, je me suis comporté comme un idiot, mais je veux changer tout ça. Il faut que tu saches qu'en ce qui me concerne, je n'ai jamais cessé de t'aimer. C'est difficile à expliquer. Je me suis isolé du reste du monde. Non, c'est de moi que tu t'es éloigné. Reconnais-le, tu m'as complètement délaissé. C'est vrai, mais je me suis rendu compte de mon erreur. Et je veux qu'on reparte à zéro. J'ai besoin de sentir que tu me soutiens, que tu es toujours à mes côtés. Je l'ai toujours été. Je t'ai toujours soutenue, tu le sais bien. Alors t'es d'accord pour qu'on essaye de reprendre notre vie de famille? Et toi, qu'est-ce que tu en dis? Ça ne dépend que de toi. Vous pourriez peut-être réemménager ce week-end. C'est vrai, papa? J'arriverai bien à me libérer pour vous aider. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, c'est une très bonne idée. Lorraine a envie de retrouver sa chambre.
Oh oui, je veux qu'on rentre chez nous. Allez. Alors, marché conclu. Oui, marché conclu. Oh non. Oh, c'est rien. Je suis vraiment désolé. Non, on te prend tel que tu es. Alors, n'oubliez pas, à ce week-end. À vendredi. Ken, je t'en prie, sois prudent. Encore un, Baker. Pas d'armes, pas d'empreintes, pas de témoins, rien du tout. Il a essayé d'écrire quelque chose sur le tapis. On va examiner ça de plus près. Merci, Bill. Bon courage. Alors, à ton avis, qu'est-ce qu'il a voulu écrire? Aucune idée. On a un C, un H et un A. C'est toujours mieux que rien. S'il vous plaît, je voudrais que vous preniez des photos de la victime et que vous les agrandissiez. T'as vu, il manque une photo. Je trouve ça bizarre. Hein? C'est peut-être une piste. Je me demande ce qu'elle représentait. Bien joué, Kelly. Wicks, approchez. Il me faudrait une photo du mur. Et dites au labo de les développer le plus vite possible et de me les envoyer au bureau. Allons-y. Chacun, chacoff, chacoc, chacon, chaco, chacun, chadaï, chadam, chacburn, chacabec, chaf, chafai, chakin, chagari, chagus, chagan, chacarlis, chasse, chafkin, chamé. Écoutez, on fait peut-être fausse route qui nous dit que c'est un nom de famille. Chala. Oui, je crois qu'on perd notre temps. Moi, c'est sûrement pas Champagne qu'il a voulu écrire. C'est pas un nom de famille, qu'est-ce que ça peut être? Ok, voilà. Bon, chambré, chambrette, chamelier. Oui, c'est un coup du chamelier, c'est sûr. Je reprends. Chambre de sûreté, chambard, chambellan, chambré, chamelon, chamois, chamoisage, chamoisine, champagne, champion. Attends une minute. Champion. Eh oui, ça ne peut être que ça. Je suis persuadé que c'est le mot qu'on cherche. Pourquoi? Toutes les victimes étaient des champions dans leur discipline. Boxe, lutte, karaté, kendo, kickboxing, tous les gars qu'il a tués étaient des champions. Mais chacun pratiquait un sport de combat différent. Il y a eu une rencontre une fois. Ah oui? C'était une idée de son père, mon professeur. Attends, je ne te suis plus. Tu n'as jamais entendu parler du challenge des Masters? Ah oui. Et comment s'appelait cette rencontre? Le tournoi des champions. J'ai des magazines avec des photos dans mon bureau. Oh, tenez, regardez. Oui, c'est ça. C'est la photo qui a été prise avant le tournoi. Vous les reconnaissez, j'imagine? La plupart de ces gens ont fini dans des tiroirs à la morgue. Vous croyez que le meurtrier est dans l'eau? Eddie Cunningham, boxeur, assassiné. Dutch Schultz, lutteur, assassiné. Kurt McKinney, karatéka. Mark Kramer, kickboxing, assassiné. Maître Tokaido, assassiné. Ken Halley, judo, assassiné. Il ne reste que ces deux-là. Le premier, c'est Chad Atkins, ceinture noire, troisième dan, disqualifié du tournoi des champions pour violence excessive. Il a fracturé trois côtes à son adversaire. Alors celui-là, il me plaît bien. Inutile de t'emballer, il est hors circuit. Le rapport indique qu'il est mort il y a 3 ans dans un accident de voiture. Il reste l'autre. Alors, où en est votre enquête, Baker? On a 6 meurtres. On avait 2 suspects, mais d'après nos renseignements, l'un d'eux est mort dans un accident de voiture. Il nous reste ce gars-là, Willy Namas. Il correspond au profil du tueur. Même âge, même poids, même taille. Tu le reconnais, Kelly? Non. Tout s'est passé si vite. J'en sais rien.
Ce gars, Namas, a un casier judiciaire plutôt chargé. Il a été condamné plusieurs fois pour agression et tentative de meurtre sur des gens de son entourage. Il sait pas entendre. On l'a arrêté il y a quelques mois. Il s'était battu avec un type du bar du quartier, mais on l'a relâché. Oh, formidable. Bien, cette fois-ci, il faudra pas le laisser repartir. Alors, Baker, c'est notre assassin, oui ou non? Il y a de fortes chances pour que ce soit lui. Eh bien, nous allons l'arrêter. Et on y va armé jusqu'aux dents, messieurs. Et moi, je peux avoir une arme? Je regrette, Kelly, tu ne peux pas venir. Je veux que tu nous attendes ici jusqu'à ce qu'on l'ait arrêté. Oh, mais j'ai rien à craindre avec vous, tu l'as dit tout à l'heure. Oui, seulement les données ont changé depuis tout à l'heure et nous ne sommes plus en mesure de vous protéger, c'est clair. Mais vous savez bien que je suis assez grande pour me défendre. Arrête de discuter, ça ne sert à rien. Tu sais que tu dois m'obéir. Et c'est pour ton bien, je t'assure. Allez, viens, on y va. D'accord. Des moments, je regrette d'être une fille. Oui, maintenant, ça ne fait plus aucun doute.
un peu trop facile, tu ne trouves pas? Beaucoup trop facile. On n'a eu aucun mal à le maîtriser. Et il était champion de karaté. Je sais qui est l'assassin. 132 Lynn Avenue, je suis à l'intérieur. Kelly! Nom d'un chien! Bonjour, Kelly. Je suis content de vous revoir. On ne se connaît pas? Oh, bien sûr que si. Vous savez, je me suis renseigné à votre sujet. Il paraît que vous êtes une championne, c'est pas vrai? Oui, c'est vrai. Alors, vous m'intéressez. C'est au bout de la rue, à droite! Allô? Meghan, tout va bien? Oh oui, bien sûr. Au fait, tu exagères. Tu laisses tes copains faire le sale boulot. Quel copain? Il est venu me prévenir que tu ne pouvais pas te libérer et il m'a aidé à emménager. Écoute-moi, Meghan. Où est-il en ce moment? Dans le salon, avec Lorraine. Il joue aux cartes. Si tu peux t'en aller, fais-le. Tu entends? Sinon, essaie de gagner du temps, chérie. On sera là d'une minute à l'autre. Je ne le laisserai pas te faire du mal, je te le promets. J'arrive tout de suite. Explique-toi, Ken. Sois gentil, fais ce que je te dis. Et sois prudente, surtout. Non, ne raccroche pas. J'appelle Lorraine. C'est mon copain Ken. Passez-le-moi. Ah! Vous allez me rejoindre. Je vous attends à la forge. Mais attention. Je veux que vous veniez seul. Aucune escorte. C'est entre nous que ça joue. Dépêchez-vous, votre femme vous attend. Non, arrête! C'est une pièce à conviction! Il n'y aura pas de procès! Ah! C'est entre lui et moi que ça se passe! Oh non, pas si vite! On travaille en équipe, alors je viens avec toi! C'est hors de question! Ken! Tu es un flic, pas un tueur! Arrête! Il s'agit de ma famille et je ne veux courir aucun risque! Ken! On ne sait jamais. Vous avez fait vite, inspecteur O'Hara. Bienvenue en enfer! Où sont-elles, vite? Oh, vous ne me tuerez pas, car je suis le seul à savoir où se trouvent votre femme et votre fille. Ha 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 ha
Ok, alors passons aux choses sérieuses. Tu t'en prends aux femmes et aux enfants ? Elles n'ont rien à voir dans tout ça ! Peut-être, mais ça fait partie du jeu. Allez, défends-toi ! Continue. Encore un peu de patience, j'arrive. Vite ! On a exactement 15 minutes pour disputer ce championnat, profitons-en. La vie ou la mort ? Allez, à toi de jouer, les héros. Approche ! Get!
crois pas à les sauver. Ken! Oh, Megan! Papa! Au secours, viens nous délivrer! Vite! Maman! Papa! T'inquiète pas, ma chérie, il va nous sauver! Oh, vite, Ken! Je t'en supplie! Tu n'as pas sauvé Kelly, ni ton partenaire, ni ta famille, et tu ne réussiras pas à sauver ta peau. Non, non, tu ne m'échapperas pas. Pas un tueur d'enfants. Je ne tue pas les innocents. Ah.